Salut Julien, ça va? Bon. Tu veux en parler? Non. J'ai vu Julien l'autre jour. Il avait pas l'air en forme. Ouais, je sais, ça va pas fort en ce moment. Et tu sais ce qu'il a? Non, je sais pas, il veut pas en parler. Faut insister, hein. Ouais. Ouais, t'as raison, c'est ce que je vais faire. Ouais. Tu me tiens au courant? Ouais, ça marche. Allez, bisous, bye. Salut. Julien va vraiment pas bien en ce moment. Qu'est-ce qu'il a? Il veut pas aller à l'école le matin, il se plaint de maux de ventre. Il se vexe? Oui, il fait des colères et ça lui ressemble pas du tout. Ses résultats, ils sont en baisse? Ouais. Ses affaires disparaissent? Ouais, mais tu sais ce qu'il a? Tu aurais pensé au harcèlement? Je crois que Julien est victime d'harcèlement. Je sais pas quoi faire. Il faut absolument discuter avec lui, le rassurer et lui dire que c'est pas de sa faute. Ensuite? Faut pas régler les problèmes par toi-même, ça risquerait d'aggraver les choses. Mais je dois faire quoi alors? Tu vas au collège, tu leur expliques la situation. Mais s'ils ne veulent rien faire? Ils sont obligés. Sinon, il y a l'inspection de l'académie et il y a un numéro vert, c'est le 30-20. Mais comment tu sais tout ça? Ma fille, elle a été victime d'harcèlement scolaire. Et c'est plus fréquent qu'on le croit. Mais c'est ni une honte, ni une fatalité. Tu sais que tu peux me faire confiance. Oui, mais après j'ai peur que ce soit pire. La situation est grave, on peut pas la laisser comme ça. Oui, tu as raison. On va aller au collège et on va régler cette situation. Tu vas leur défoncer la tête? Non, on va aller voir le principal, on va lui parler et il saura gérer ça. Je suis déjà dans le bus. Ça va bien. Ça va bien.